Allons le chercher. Non, 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 attends, attends, attends. Pas question de le ding-donger par la peau des fesses, surtout pas les fesses de Zeus. J'attends le bon moment pour lui parler. C'est le bon moment, là, non? C'est pas encore le bon moment. Qui a parlé? Qui a parlé? C'est eux. Cork, la ferme. Avez-vous quelque chose à dire à l'Assemblée? Bonjour. Permets-moi d'abord de te dire que c'est un honneur et un privilège. Non, j'entends rien du tout. Viens donc sur scène. Puissant Zeus. Waouh. Dieu de tout l'univers, je suis venu vous demander votre aide. Bon, mignon, tu peux repartir t'asseoir, je ne veux plus t'entendre. Zeus, nous devons aller combattre. Gagner, tu es privé d'orgie. Tu dois écouter ce qu'on a à dire. Assez. Assez. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichette. Tu en fais encore trop, comme d'habitude! Que tes vêtements réapparaissent, pichenette! Car nous sommes dans le temple d'or des dieux, et pas dans un club de striptease. Si tu ne nous soutiens pas, laisse-nous utiliser ton arme. Nous avons besoin de ta foudre. Ce que tu appelles ma foudre se nomme Thunderbolt. Il me semble que si tu tiens à utiliser mon arme secrète, tu devrais au moins la nommer correctement. Alors recommence. J'aimerais t'emprunter Thunderbolt. Thunderbolt! Là-dessous. Où ça? Où es-tu? Korgi, t'es tout cassé. Korg... Je suis là. Korgi, je suis pas mort. Oh, mon Korg, oui, t'es toujours en vie. Apparemment, la seule chose vivante chez un crânien, c'est sa bouche. Korgi, écoute, il faut que tu appelles les chèvres. J'ai réussi.